soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il est de l'oreille, pour qu'en ici, je cite. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dévoré. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes genoux à ceux qui marchaient là-bas. Je n'ai pas pu cacher ma face devant les outrages et les frappes. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face bien comme le piège. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Thank you.
jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Ayant pris du pain et prononcé la bénédiction,
crucifiait mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit : ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit : vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors : même si vous deviez l'assommer, moi je ne tomberai pas. Jésus lui répond : amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Mais lui reprenait de plus belle : même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parvinrent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Alors qu'un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait : Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne-moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux moi, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit : désormais vous pouvez dormir et vous reposer, c'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva qui avait pris une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu : celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bois de garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit : Rabbi. Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara : suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un bras. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le bras, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres,
les anciens et l'esprit. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus. Et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire. Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'est enlevé le grand prêtre devant tous, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni ? Jésus lui dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrir son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète !» Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas de la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour. Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es Galiléen. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante en deux fois, tu m'auras renié trois fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit. C'est toi-même que je dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu me réponds bien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien. Si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêtés avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas.
Et comme Pilate vous reconnaît, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous avez appelé le roi des Juifs? De nouveau, ils crièrent. Crucifiez-le. Pilate leur disait. Père, tu as fait de mal. Mais ils crièrent encore plus fort. Crucifiez-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et ils lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier, et il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revient du champ. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du drame ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9h du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie deux bandits. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en touchant la tête. Ils disaient « Et toi qui détruis le sanctuaire et les relations en 3 jours, sauve-toi, toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même, qu'il descende maintenant de la croix. » Le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : Éloï, Éloï. Et masse à Bactène, ce qui se traduit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qui m'appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : Vraiment, cet homme était fils de Dieu ?
miracle de Marie et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Bethléem, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans la roche. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole. La passion de Jésus, c'est une cacophonie. Il y a des cris, il y a des voix dans tous les sens, des voix amicales, des voix hostiles. On entend de moins en moins, au fur et à mesure que se déroule le récit, la voix de Jésus lui-même. Et finalement, on peut se perdre un peu dans ce tumulte. Alors, pour garder l'essentiel, il faut essayer de faire émerger de ce brouhaha deux voix. Celle du centurion romain qui gardait la croix de Jésus et celle de saint Paul dans le petit passage que nous avons entendu juste avant d'entrer dans la passion. Il y a entre ces deux personnages l'un situé à la fin de l'histoire et l'autre juste au début, comme une sorte de dialogue qui traverse toute la passion et nous en livre la clé. Le centurion romain, lui, il n'a pas d'avis sur ce qui est en train de se passer. C'est un fonctionnaire, il est là pour représenter l'empereur de Rome et pour maintenir l'ordre. Alors ces histoires de disputes entre juifs, ça ne le concerne pas. Est-ce que Jésus est un prophète? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il est l'envoyé de Dieu? Est-ce qu'il ne l'est pas? Ça n'est pas son problème. Il observe la scène en spectateur neutre. Il est là pour faire son boulot de centurion romain. Et on imagine que, comme un fonctionnaire de police aujourd'hui, une fois rentré à la caserne, il fera son rapport, un rapport circonstancié, précis, factuel, sans donner d'avis personnel. Pourtant, cet homme, rompu ainsi à l'objectivité, ne peut s'empêcher de s'écrier, nous l'avons entendu ensemble, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Comment peut-il aboutir à une telle conclusion? Qu'y a-t-il dans ce que nous venons d'entendre, dans ce que nous venons de voir, qui puisse permettre à un observateur aussi loin du monde juif que l'est ce centurion romain
de parvenir à une telle conclusion. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il entendu? Pour conclure ainsi, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. C'est saint Paul qui, d'une certaine manière, nous apporte la réponse, qu'il a en quelque sorte anticipé dans ce qu'il nous a dit avant juste que nous entrions dans le récit de la Passion, en nous disant « Jésus, qui était de condition divine, n'a pas retenu pour lui le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur. » Voilà ce que le centurion romain a vu, voilà ce qui l'a convaincu. Celui qui avait la condition de Dieu, acceptant de prendre la condition de serviteur. Pour bien comprendre ce qui est en jeu dans cette formule de Paul, il faut résoudre quelques petits problèmes de traduction. Parce que, dit comme ça, ça sonne un peu étrange comme formule. Condition de Dieu, condition de serviteur. On a l'impression que, au fond, tout est une affaire de statut social. Tout est une affaire de droit acquis. Mais la Passion, ça n'est pas une affaire de standing et de protocole. Jésus, ça n'est pas le roi d'Angleterre. Le problème vient de ce mot « condition » qui est en réalité presque impossible à traduire en français. Paul utilise ici le mot « morphé ». Morphé. Vous savez, c'est le mot qui en français a donné « morphologie ». Morphé. Un mot qui veut dire « image »,« visage ». Un mot qui veut dire que ça n'est pas une affaire de rang social, c'est une affaire d'identité, c'est une affaire de mystère. Jésus avait l'identité de Dieu, il était Dieu, il avait le visage de Dieu, et il a choisi de prendre l'identité d'un serviteur. Il s'est comme dépouillé, il s'est comme donné jusque-là. Voilà, chers amis, ce qui a convaincu le centurion romain. Il ne savait pas que Jésus était de condition divine. Mais il a vu, avec les yeux du cœur, jusqu'à quel point il s'est donné. C'est le don de lui-même auquel Jésus consent dans la Passion, qui retourne le cœur de ce centurion romain. Plus que les plus grands miracles de Jésus, plus que les discours les plus flamboyants qu'il ait pu prononcer au cours de sa vie publique, c'est ce don sans parole qui touche le cœur du centurion romain. Il comprend alors que cet homme qui se donne jusque-là est vraiment Dieu, que c'est ainsi qu'il est Dieu, et qu'il est un Dieu à hauteur d'homme, en se donnant tout entier, que c'est ainsi qu'il est homme, cet homme à la hauteur de Dieu, en se donnant tout entier. Saint Paul, pour nous dire ça, avec le choix, parce que la langue grecque est plus riche que la langue française. Il avait le choix entre plusieurs mots, et notamment entre morphé et icône. Deux mots grecs à peu près similaires. Morphé, icône, que l'on peut choisir l'un pour l'autre, avec une différence cependant. Morphé dit un original. Icône dit une reproduction. Alors Paul a choisi Morphée.
parce que Jésus est l'original. Dans la Passion, c'est le vrai Dieu que l'on voit se donner ainsi. Ce qui ne veut pas dire que les reproductions, les icônes, n'aient pas de valeur. Au contraire, pour que d'autres centurions romains, d'autres hommes, d'autres femmes, puissent aujourd'hui encore parvenir à cette conclusion, vraiment Jésus était le Fils de Dieu, il faut qu'aujourd'hui encore, à Sigean et partout où nous vivons, il y ait des icônes de la Passion de Jésus. Il y ait des hommes et des femmes qui, en se donnant tout entier, donnent à voir Jésus. Jésus a été l'original, le visage de Dieu. Chers amis, c'est à nous aujourd'hui d'être les icônes. C'est à nous par nos vies, c'est à nous en choisissant ainsi de nous donner tout entier pour les autres. C'est à nous de donner à voir le visage de Dieu. Yeah.
Seigneur, nous t'en prions.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et pour notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Je te souhaite. Rends grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Oh,
a estimé digne de nous donner de bon droit pour te servir. Humblement, nous te demandons, en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Bruno, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ. À lui, avec lui et en lui. Thank you.
Voici la vie de Dieu, voici ceux qui enlèvent les péchés du monde. Heureux les invités au repas de l'ordre de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas le nom de ce soir. Thank you.
rassasiés par ce mot sacré, nous te supplions humblement, Seigneur. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils, d'espérer les liens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Les amis, merci de noter que ce mardi 26 mars, il n'y aura pas de messe de la semaine à 6 mars. Jeudi 28 mars, jeudi saint, messe à 18h30 à 6 mars, suivi de la nuit d'adoration au recevoir. Le lendemain, vendredi saint, à 8h30, en limite, au Christ de l'homme, suivi de l'adoration au recevoir. À 15h au caverne de Sijan, chemin de Troyes, à 17h10 dans l'église, chemin de Troyes, suivi de l'office de la Passion à 18h30. Et samedi prochain, à 21h, à Sijan, veillée pascale. Bien sûr, vous trouverez l'ensemble du programme de la semaine simple de la paroisse dans le phare de notre bulletin paroissial. Comme chaque année, à la sortie de la messe, vente des œufs de Pâques au profit de la paroisse. Et comme chaque année, nous faisons appel aux bonnes volontés pour le nettoyage de l'église de Saint-Félix pour la veillée pascale et le fleurissement du reposoir pour l'adoration. De ce fait, rendez-vous jeudi matin à partir de 9h ici dans l'église. Merci pour votre témoignage.
Amen.